Alors voici, j'ai terminé donc le dos de mon débardeur, le devant également. Alors à présent, je vais placer les pièces endroit contre endroit pour réaliser donc les coutures. Alors comme c'est pas très facile de coudre dans les mailles résille, je vais donc vous montrer comment je fais pour relier avec des mailles serrées ou des mailles coulées, hein, c'est selon. Le résultat sera le même. Et dans ce cas de figure, en cas de problème, de pépin, enfin d'erreur, c'est beaucoup plus facile à défaire que de faire ça au poids lancé avec une aiguille. Donc voilà. Tout d'abord, eh bien, je vais épingler les deux parties. Parce que je n'ai pas le même nombre de résilles, parce que ce serait plus facile effectivement de crocheter une résille sur une autre. Mais là, ça n'est pas le cas. Alors je vais épingler donc au début et à la fin. Et puis là, bon ben, moi, ma technique, je tends. Je tends les deux extrémités et je prends le milieu environ. Je n'ai pas mesuré. Hein. Donc là, c'est pareil, je vais épingler. Et je fais la même chose ici, au niveau du quart. Voilà. Donc je tire sur les extrémités. Donc ici, le milieu et le bas. Voilà. Et à l'identique ici, donc je tire sur le dessous de bras et le milieu et j'épingle ici, voilà, les chaînettes entre elles. Donc effectivement ça n'est pas très large pour piquer une aiguille, donc moi je vais le faire à la maille serrée. Je vais utiliser le même crochet et le même fil qu'avec lesquels j'ai travaillé précédemment. Donc je vais attacher donc mon crochet ici au fil avec un nœud coulant comme ceci. Je passe le crochet à l'intérieur et je resserre. Et ensuite eh bien je vais piquer ici au bout. Au bout entre les deux. Alors bon, moi je pense que je vais pas pouvoir piquer dans les mailles. Alors en fait, je vais les attraper par en dessous. Donc je vais piquer dans les arceaux, tout simplement. Donc là, je fais la première maille serrée. Voilà. Donc je viens d'attacher là mon fil avec la première maille serrée. Donc ici, ben, je vais en faire deux. Parce que je vais éviter de tendre en fait la couture, parce que ça va se voir. Là, je vais piquer dans la bride pour faire ma maille serrée suivante. Ici je vais en faire deux. Ici ben, je vais piquer dans la bride de derrière. Donc voilà. Donc une maille ici parce que je n'ai plus la place d'en faire deux. Et je regarde sans arrêt si ça n'est pas trop serré. Donc là, cette fois-ci, je vais piquer dans cette bride. Donc au niveau des brides, ça va. C'est au niveau des mailles chaînettes hein, que bon, je travaille vraiment très serré. Donc là, ce qui ressort, c'est mon fil d'arrêt de tout à l'heure. Donc quand j'arrête mes fils, je les perds dans le travail. Donc je le coupe. Que là, il ne s'en ira pas puisque je passe la maille serrée par-dessus. Et donc, on va réaliser ça ben, sur tout le côté. Voilà. Plus en haut des bretelles pour les attacher entre elles. Voici. Donc, je vous retrouve tout à l'heure lorsque j'aurai donc terminé ces coutures pour la bordure que nous allons installer en bas et sur le décolleté.
Voici ce que ça donne ici sur le côté de mon vêtement. Et donc, quand je le repasse à l'endroit, ça se voit pas beaucoup. Hein. Et c'est beaucoup plus facile à réaliser. Et beaucoup plus facile à défaire également. Voilà.